Au large de l'Estérel, sur le site de la Vaquette, l'écosystème marin tente de se ressourcer, de trouver un équilibre avec les activités économiques comme la pêche ou le tourisme. À la manière des coraux, les coralligènes, ces algues calcaires, forment de petits récifs où les poissons viennent se reproduire, se nourrir et se cacher. La prévention fait partie du quotidien des responsables de palanquées. Les amateurs sont de plus en plus sensibilisés parce qu'ils arrivent avec un œil extérieur et l'écologie est aujourd'hui un sujet sensible pour tout le monde. Les plongeurs le sont parfois un peu moins. Et nous, notre travail, c'est souvent auprès des plongeurs qui ont de leurs habitudes. Notre travail de sensibiliser à la protection de l'environnement, ça passe par bien se stabiliser sous l'eau pour éviter d'abîmer tous les fonds marins. Le parc fait l'objet d'une surveillance constante. Ce filet de pêche abandonné sera signalé et sur l'eau, les plaisanciers sont sensibilisés, voire verbalisés. Si nous constatons des infractions concernant des destructions d'espèces protégées, notamment l'herbier de Posidonie, nous sommes assermentés et commissionnés par la police de l'environnement et nous avons la possibilité d'établir des procès-verbaux. Pour renforcer la protection des poumons de la planète, un arrêté préfectoral vient d'être signé. Il devrait interdire le mouillage des navires de grande plaisance dans les zones protégées.